Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du casque Beats by Dr. Dre, le modèle Solo HD. Un casque que vous pouvez trouver dans les environs 200€ sur le site Beats by Dr. Dre. Autrement, un peu moins cher. Même là, la Fnac faisait un prix, hein, mais pas le Solo HD, le Solo tout court, pour environ 110€. Voilà, on va faire comme d'habitude un petit peu le tour du packaging. Puis je vous donnerai bien sûr mon avis sur ce casque que j'ai essayé depuis à peu près une bonne semaine sur différents styles. Et je vous donnerai mon avis comme d'habitude. Alors on va commencer par le déballage. Le packaging hein, toujours chez Beats Audio est toujours de très très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup. Hop, avec sa boîte. Alors bien sûr hein, j'ai déjà déballé le casque. Hein, le casque. Il est ici avec sa pochette, on en viendra à tour. On va retrouver comme toujours la documentation, la petite chiffonnette pour nettoyer les bouquins d'utilisation. Ça, au final, on s'en fout un peu. On a un câble jack 3,5 traditionnel et il y en a un autre que j'ai utilisé qui est avec une commande qu'on appelle Control Talk qui va permettre de commander directement votre iPod, votre iPhone, HTC, différents smartphones. Il faut aller sur le site si vous voulez voir la liste exacte. Mais en tout cas, tout ce qui est iPhone, iPad, iPod est pris. Il n'y a pas de souci avec commande, micro et tout ça. On va faire le tour un peu après. Bon, ça, fini. Hop là. Et on va passer à vraiment ce qui nous intéresse, le casque. Alors, le casque, il est fourni hein, avec cette pochette qui est plutôt de bonne qualité, qui est pas rigide comme celle du studio et qui est pas tout à fait souple comme celle du pro, qui est plutôt bien faite, hein, qui est dedans protégée. Vous avez une petite poche pour le câble protégé. Il y a une sangle qui se trouve ici, hein, qui est un peu chiant pour l'accrocher. Il y a différents endroits, si vous le mettez dans un sac, je ne sais où. Vraiment, la qualité de la pochette est vraiment sympa. Celle que je trouvais vraiment très très bien, c'était celle du studio. Mais celle-là du Solo HD est vraiment très très bien. Alors aujourd'hui, comme test, on a le modèle Red, qui est une production un peu particulière. Hein, parce qu'il y a une partie qui est reversée contre la lutte contre le sida. Vous avez plusieurs marques, hein, comme Apple, qui fait aussi des iPod Red comme celui-ci. Vous voyez normalement derrière c'est marqué Product Red. En fait hein, c'est contre le sida. Donc il y a une partie qui est reversée contre le sida. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Il est quand même beaucoup plus petit hein, qu'un studio. Et encore beaucoup plus petit qu'un pro. Donc très léger, hein, on est à 160 grammes. Le câble, comme je vous parlais, 3,5. Avec la commande Control Talk, vous voyez, vous avez plus moins. Vous pouvez prendre les appels. Il y a un petit micro. Alors, s'il me fait la mise au point, comme d'hab, qui se trouve ici. Voilà. Donc, très pratique si vous voulez prendre un appel pendant que vous avez votre téléphone dans le sac ou quoi, je ne sais quoi. Ou même une commande. Comme d'habitude, comme sur les studios, il se connecte du côté gauche. Et vous le connectez de l'autre côté. Il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Le câble, c'est les mêmes câbles que le studio. Bon, voilà, après ça, c'est un petit plus. Il n'y a pas d'adaptateur comme sur les versions studio et pro vers le jack qui est un peu plus gros. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être fourni. L'arceau est plutôt de bonne finition. On est hein, sur le modèle rouge. Les coussinets sont très agréables, tout à fait mobiles. Ils s'adaptent à peu près sur toutes les têtes, hein, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vraiment rien. La partie ici est très très douce et vraiment très agréable sur la tête. Et on a vraiment une sensation de légèreté qui est très agréable. Les coussinets prennent moins le pavillon de l'oreille, mais reste quand même tout à fait convenable. On entend très peu de choses de ce qui se passe à côté,
Mais bon, si vous n'avez pas de musique, vous avez le casque, vous entendez quand même ce qui se passe à côté, hein, là. C'est vraiment un système anti-bruit, entre guillemets, passif, hein. C'est loin quand même d'être ce que c'est que la version du Pro, en fait. La version du Pro est beaucoup plus grosse et a quand même beaucoup mieux travaillé. Mais quand même, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ce casque n'a pas de réduction de bruit active, comme le studio. Donc ne fonctionne pas avec des piles. Il n'y a pas de bouton hein, pour couper le son ou quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment très très simple niveau fabrication, mais la qualité est là. Et bah, l'écoute est plutôt pas mal. Là c'est le solo HD. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très très déçus du solo. Bah, moi je trouve le son plutôt pas mal. Alors après il faut savoir, hein, c'est toujours mon avis par rapport à mon oreille. Mais il y a peu de distorsion, le son est plutôt précis au niveau des aigus et des médiums. Alors il faut savoir quand même que c'est un casque hein, Dr. Dre. Donc qui dit Beats Audio Dr. Dre, eh ben dit des basses. Bon ça vous y couperez pas, hein. Il y a quand même beaucoup plus de basses, mais qui sont quand même assez précises. Hein. Donc c'est pas trop dérangeant sur certains types de musique. Hein. C'est pas fait pour écouter du classique ou du jazz, mais si vous écoutez du hip-hop, de l'électro, du R&B, tout ce qui a des basses, eh ben vous en serez super content. Vraiment une très très bonne qualité, je suis assez surpris pour un, disons entre guillemets, un casque d'entrée de gamme de chez Dr. Dre, parce que je m'attendais ouais, à avoir un son plutôt mauvais et au final plutôt même bien surpris. Quand même, hein, vraiment, ce casque, je vous le conseille vraiment si vous l'utilisez pour du son, comme je vous disais, électro, rap, R&B, hip-hop, tout ce qui a vraiment des basses, parce que autrement, quand même pour du rock, jazz, classique et tout, vous serez un peu déçus parce que les basses sont quand même assez présentes. Hein. Mais bon, hein, rien vraiment de terrifiant. C'est vrai que la partie avec télécommande est très très agréable à utiliser. C'est vraiment un petit casque passe-partout, pas comme dans Fort Boyard, mais vraiment pour la vie au quotidien qui est plutôt bien. Léger, vous pouvez l'avoir autour du cou, le ranger dans votre sac avec la petite sacoche. Vraiment agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à un moins bien et c'est pas du tout le cas. Vite fait, mon avis est vraiment positif sur ce casque et j'ai été surpris. Mais vraiment sur une utilisation hein, électro, hip-hop, R&B, vraiment je vous le conseille. Si vous voulez pour d'autres choses ou un casque avec plus, il faudra passer sur un modèle bleu, comme le Pro plutôt, ou d'une autre marque, si vous voulez, à part si vous voulez rester chez Beats, qui a le Pro qui est vraiment équilibré. Celui-là est quand même vraiment très accentué sur les basses. Moins qu'un studio, mais quand même. Mais vraiment pour la vie quotidienne, vous partez, ouais. Dans le train et tout, il est petit, léger, c'est vraiment très agréable pour jouer. Je l'ai utilisé, alors pour vous donner l'utilisation que j'en ai eu, j'ai fait l'écoute de fichiers audio FLAC, donc sans compression, vraiment très agréable. Sur YouTube, j'ai regardé un film dessus, j'ai joué avec la PS Vita dessus. Ça va, à part vrai, comme je vous disais, hein, les basses un peu trop présentes, mais bon, ça reste quand même. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de basses, donc. Vraiment pas dérangeant. Vraiment un petit casque sympa pour le quotidien. Je pense que si vous bougez beaucoup, vous écoutez du R&B, du hip-hop ou des choses comme ça, on serait plutôt content. Voilà, on a fait à peu près le tour. Comme je vous disais, hein, le prix est de 200 euros. Donc, quelque chose. Quand même, un casque plutôt haut de gamme. Alors, certains vous diront, oui, on paye le prix bah, de Beats. Hein. Bon, c'est possible. Bon, il y a d'autres casques hein, qui sont dans ces prix-là, qui sont pas mieux. Bon. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont vraiment un travail au niveau design et tout ça qui est plutôt sympa. C'est plutôt en qualité. Là, en plus, les nouveaux modèles là que vous achetez, ils avaient un petit souci sur l'armature en fait du serre-tête et ils ont renforcé ce système-là. Donc voilà. Mais vraiment, la qualité, la finition est vraiment parfaite. Moi, je trouve ça vraiment un très très bon produit. Bon, bah ouais, vous payez le prix, hein. C'est pas un casque à 100 euros, mais bon, ça c'est plutôt efficace et ça marche plutôt bien. Donc voilà, voilà, voilà pour le Beats Solo HD.
Et la télécommande hein, efficace, je l'ai essayé sur iPhone, iPod et iPad. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne vraiment parfaitement. Et sur iPhone, quand vous recevez un coup de fil, vous prenez la ligne. Ça, c'est extra. Vous avez le casque, vous avez le téléphone dans la poche ou dans le sac à dos. Vous prenez, vous discutez tranquillement, ça raccroche, hop, la musique repart. Ça, c'est vraiment génial. Bon, il le faisait hein, déjà, mais là, c'est quand même un peu mieux construit et mieux fait qu'à l'époque sur le studio. Voilà, je voulais aussi bah, vous remercier parce qu'on a passé la barre des 200 abonnés. Et ça, c'est vraiment chouette, ça continue d'augmenter. Et je vous en remercie, c'est vraiment super chouette, ça fait chaud au cœur. Je vous le dis à chaque fois que je fais une vidéo maintenant, mais bon, c'est vraiment un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à suivre, à aimer le travail que je fais, donc ça c'est vraiment cool. Il y a plein de choses qui devraient arriver pour la fin d'année, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de tout faire. Je voulais remercier aussi mon graphiste qui m'a refait un background et un logo, je lui remercie énormément, je n'ai toujours plus le nom de son pseudo, mais comme toujours il aura son nom marqué à la fin de la vidéo. Voilà, bon, c'était vraiment pour vous remercier tous de votre soutien, de vos encouragements, des messages que vous pouvez me laisser. J'essaie toujours de répondre un maximum à toutes vos questions, d'essayer de répondre vite. Bon, après, ça dépend de mon emploi du temps, de quand je travaille et pas. Mais bon, j'essaie toujours de faire au mieux pour que vous soyez satisfaits et contents de mon travail. Voilà, c'était vraiment pour vous remercier beaucoup. Il y a, comme je vous dis, plein de projets, j'ai plein d'idées. Je pense que ça va se mettre en place plus à la rentrée. Là, je suis encore en vacances. J'espère que vous aussi, profitez bien. Et puis, amusez-vous bien surtout. Et puis, à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!